J'ai toujours voulu être comédien, être acteur depuis tout petit. À 23 ans, j'ai pris un nom de scène. C'est une amie à moi qui m'a trouvé ce nom-là. Et donc voilà, donc maintenant je l'ai en nom, en pseudonyme, donc même sur les cartes d'identité, etc. Je suis Yann Kaplan. Le théâtre des Saïniers, en fait, je le connaissais pas vraiment avant d'y travailler. Ils proposaient des catalogues majoritairement de boulevard, pas spécialement mes goûts artistiques au début. Et un ami à moi qui travaillait m'a invité à voir une pièce. Et en fait, j'ai adoré. J'ai rencontré le patron Frédéric Boucher à la fin de la représentation. On a tout de suite bien accroché. Et puis c'est parti. J'ai parti dans le métier. Donc pendant la durée de la représentation, on va incarner un personnage, on va se mentir à nous-mêmes, on va oublier nos mots, nos mauvaises pensées ou quoi que ce soit pour tout mettre au service du personnage, et ça fait tellement du bien. Je dirais que c'est un métier aussi qui permet de... qui est un peu médicinal, ça permet d'oublier les problèmes. Donc du coup j'ai pu tester le métier de comédien pour la première fois en tant que professionnel sur les planches, et c'était super, mais c'était pas assez. Et j'avais envie de raconter des histoires, mais mes histoires. J'ai commencé donc à écrire mon premier court-métrage, Hippocampe. Je me suis inspiré de la vie de Thomas Betty, qui est un Américain, le premier homme médiatisé en enceinte. Il est né sous le sexe féminin, il a changé de corps, il est devenu un homme. Mais il a gardé ses appareils génitaux féminins, il a pu enfanter. Je me suis dit que c'était un bon sujet pour faire un film, un court-métrage. J'ai fait une adaptation de ce moment de vie. J'ai présenté le scénario au Festival de Contis, dans le cadre de Talents en cours, qui est un appel à projet pour les jeunes réalisateurs. Moi, mon but, c'était de découvrir des producteurs. Et au final, je n'ai rien eu. Donc du coup, j'ai créé une association avec une amie à moi, RDN. Et nous avons donc pu produire nous-mêmes le film. Mettre sur internet, on a remarqué qu'il était très très visionné à l'étranger, notamment aux États-Unis, et il a été vu donc par celui par Thomas Betty, celui dont je me suis inspiré pour cette histoire là. On avait une équipe de jeunes dynamiques et ça les organismes locaux avaient adoré. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé de subventionner le nouveau projet, alors qu'il n'en avait pas à la base, il n'y en avait aucun projet de prévu, mais c'est comme ça donc que j'ai écrit Les Colériques Anonymes et que le film a pu se réaliser en 2017. Comparer ces deux films, c'est un peu compliqué étant donné que c'est pas le même genre, mais en tout cas le public était toujours au rendez-vous dans les deux et ça a été très encourageant pour la suite, pour moi et pour l'équipe. En parallèle d'Hippocampe, j'ai décidé de passer des castings et j'ai eu donc la chance de jouer dans des téléfilms ou des séries qui passaient à la télé et de donner la réplique à de grands acteurs comme Julie Depardieu ou Charlotte de Turckheim. J'ai également eu l'opportunité de participer à deux clips parce que le format du clip est aussi hyper intéressant parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas forcément besoin de parler pour, à mon avis, faire passer les sentiments. Il y a des difficultés dans ce métier, oui, c'est la précarité. Demain n'est jamais garanti, donc on va voir ce qui se passe, mais en tout cas, moi j'ai envie de continuer là-dedans et j'ai envie d'être à la fois au théâtre, à la fois devant la caméra, derrière la caméra. Mais prochainement, du coup, je vais passer également en mise en scène. Et ça, c'est ce que j'attendais et je suis trop content. Ce que moi, j'aime le plus dans tout ça, ça reste quand même le théâtre. Sur les planches, en direct, avec le public. La connexion avec le public, que ce soit au théâtre ou à l'audiovisuel, après les projections ou quoi, c'est ça que j'aimerais garder et connaître toute ma vie.